It is exactly 8 p.m. on Astudio Clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, April 11, 2024. Fight against urban disorder. The subdivisional officer for Fundi has moved from words to action has proceeded with the raid downtown Yaoundé, controlling and impounding taxis and motorbike riders circulating in this area. After Yaoundé last week, the new coach and his collaborators have visited the basic sporting infrastructures in Douala, economic capital city of Cameroon, with a stopover at the governor's office in Bonanjou. These are our top stories. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingua primetime newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away, and it's in the French language, and it's with you, Makedali Dignoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Activité communale. Commune d'arrondissement de Douala Premier, le compte administratif 2023 affiche un bilan positif. La mairie a tenu son conseil ce jour. Occasion également de présenter à l'autorité administrative les différents quoi qui freinent l'amélioration de ses comptes. Le compte rendu d'Oyan Donkeng et de Julie Pont. Mention bien pour le compte administratif de la mairie de Douala Premier. Et en d'autres termes, je veux dire que le bilan est positif. Parce que nous avons un pourcentage de progression plus que satisfaisant, n'est-ce pas? Et le préfet l'a rappelé, on avait un compte administratif il y a 3-4 ans d'1,6 milliard et nous sommes passés à 3,1 milliard aujourd'hui. Pouvait mieux faire, car selon l'exécutif, les incertitudes au sujet de la superficie réelle de cette commune d'arrondissement sont un frein à son embellie financière. La commune d'arrondissement de Douala Premier regorge de beaucoup de potentialités qui ne sont pas encore exploitées. Et nous l'avons dit, et j'espère que ces problèmes vont être résolus, notamment celui de la précision des limites territoriale de Douala Premier, de telle manière que notre assiette fiscale prenne la dimension géographique de notre commune d'arrondissement. Le compte de gestion 2023 a été présenté ce 11 avril 2024. Il vient informer l'opinion publique sur la situation de la commune d'arrondissement de Douala Premier. L'objectif ici est d'éclairer l'exécutif dans la prise de décision pour l'amélioration du cadre de vie de ses populations. Autre grief, l'interprétation de la loi encadrant l'OTVP, entendez occupation temporaire de la voie publique. Tout le monde sait que c'est une taxe qui revient entièrement et exclusivement aux communes d'arrondissement. Mais nous rencontrons certaines difficultés à l'appliquer. Mais toutefois, l'autorité administrative va se pencher sur le dossier pour une résolution définitive. Lutte contre le désordre urbain à présent. À Yaoundé notamment, le préfet du Fundi passe de la parole à l'acte. Une descente a été récemment faite au centre-ville de Yaoundé pour le contrôle et la mise en fourrière des mototaxis qui circulent. Retour sur cette descente avec vous, Inès Pangan et Thierry Hon. L'activité des mototaxis gagne de plus en plus le centre-ville de Yaoundé. Au mépris de l'interdiction, certains conducteurs des engins à deux roues se permettent de circuler dans le centre urbain de la capitale politique, parfois avec l'aval des forces de sécurité et de certains personnels de l'administration. Le préfet du Fundi sonne la fin de la récréation. Nul n'est au-dessus de la loi. Lorsqu'on interdit la circulation aux motos en plein centre urbain et qu'on voit certains passer parce qu'ils sont des hommes en tenue, c'est injuste. Donc aucune disposition ne permet encore de semer le désordre. Et nous les avons mis en garde que leurs hiérarchies militaires respectives seront saisies. Lors de cette descente, le préfet rappelle la norme qui devrait être respectée par tous. Des zones de circulation de ces engins à deux roues sont bien définies
dans la ville de Yaoundé. Nous invitons encore les uns les autres à une compréhension. L'activité de moto-taxi n'est pas interdite à Yaoundé, mais elle est interdite dans certaines zones, notamment le centre urbain. Après la sensibilisation, les moto-taxis saisis dans le centre urbain ce 9 avril 2024 sont embarqués et mis en fourrière. Dans le même ordre d'idée, nous sommes jeudi, vous le savez, jeudi est consacré à la propriété dans l'arrondissement de Douala, 5e notamment. Et ce matin, nos reporters sont descendus au lieu dit Camp Yabassi afin de vérifier si effectivement les consignes du jeudi propre étaient respectées. Léla Nganzeu. Des rues totalement propres, on ne le dirait pas, pourtant nous sommes bien au quartier dit Camp Yabassi dans la ville de Douala. Réputé pour être un grand lieu de commerce avec des boutiques, magasins et quincailleries à chaque allée, tout est cependant resté fermé ce jour lors de notre passage à 8 heures. Et pour cause, nous sommes jeudi, journée consacrée à la propriété dans l'arrondissement de Douala 5e. Aucun commerce n'a le droit d'ouvrir avant 10 heures. Ah, le jeudi de propriété ici chez nous au Kayabassi, il y a du respect. Donc on prend soin de ça pour mettre la ville propre. Tout ce qui se passe le matin à 6 heures. Avant 6 heures, tout le monde est là. Donc on nettoie jusqu'à... Ce n'est pas continuellement parce que si quand on voit déjà que c'est déjà propre, on reste tranquille. Donc on vient très tôt. Tu ne viens pas, c'est une sanction. Donc les gars ils doivent être là à l'heure et à temps. C'est pour ça que vous voyez, tout était déjà propre. Vous avez constaté vous-même. Ici, tout le monde participe. Aussi bien les propriétaires des commerces que les habitants de la zone. D'ailleurs, le chef du quartier y veille personnellement. Le jeudi propre est respecté d'abord sur les instructions du chef de quartier. Et il demande aux gens de mettre toutes les allées propres, de dégager les caniveaux. Et c'est ce qui est suivi de temps en temps. Et après, il y a une équipe qui passe pour transporter tout ça et verser dans les poubelles. Le balayage se passe très bien chaque jeudi, puisque nous voulons vraiment être dans la propriété. Et c'est vraiment le nécessaire que je fais chaque jour qu'il faut, avant d'ouvrir mon lieu de service. Là, du quartier. On a notre patron qui nous met à l'aise. Ça veut dire, on sort le matin, tu ne viens pas, on te sanctionne. Donc ça nous fait mettre la propriété dans le quartier. Donc les gars qui ont les gilets, ils sortent tôt pour balayer, pour mettre la propriété partout. Ça se fait tous les jeudis. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, vous passez sur toutes les rues de Camp Yabassi, vous allez trouver une propriété énorme. Et toutes les boutiques sont fermées parce que les gens respectent le mot du chef. Et à 10h, la vie revient dans les boutiques. Les uns et les autres ont enfin le droit d'ouvrir. Place aux bonnes affaires. On s'intéresse à toute autre chose. À présent, examen au barreau du Cameroun. Les candidats seront face à leur sort samedi prochain du côté de Yaoundé. Et en prélude aux épreuves, l'Ordre des avocats a réuni les candidats ce jour dans la capitale. Objectif, les sensibiliser sur la conduite à tenir, les notions de base et autres thèmes importants pour le jeune avocat. Olivier Bouzicu pour le compte rendu. Ils sont environ 5000 les candidats qui prendront part samedi prochain à l'examen d'aptitude au stage d'avocat. À quelques jours de l'épreuve, les érudits de la profession ont répondu présents à ce séminaire de préparation et d'orientation pour les candidats organisé par l'Ordre national des avocats. Non, le message que j'ai passé, c'est d'abord un message d'encouragement pour les encourager. Ceux qui veulent véritablement être des avocats, pour les dire, ils sont en train de toquer sur la bonne porte. Et pour dire aussi... pour des aventurés qui pensent que c'est pour chercher des lots, pour chercher où il y a des tuyaux pour donner de l'argent, que non, ils sont en train de toquer sur la mauvaise porte. C'est une profession libérale, ils sont encouragés, mais qu'ils apprennent, qu'ils préparent et l'avenir est bon. Les principes directeurs du procès civil, administration de la preuve dans un procès civil, le procès équitable en matière civile, le principe de contradiction sont entre autres thèmes sur lesquels ils ont été recyclés. Aussi, un accent a été mis sur le style vestimentaire de l'avocat qui doit toujours être tiré à quatre épingles. Pour l'Ordre des avocats, seuls les méritants seront retenus. Ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de négocier avec le gouvernement qu'une solution... conclusive finale, ce sera de créer notre propre école de formation des avocats. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, lancer l'examen et tout ça, c'est juste temporaire.
C'est après admission à ce concours que ces jeunes candidats pourront aspirer à une carrière d'avocat au Cameroun. Back to Douala, where the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Douala Chapter, have been drilled on the use of artificial intelligence in journalism to enable them upgrade on their skills of writing and reporting. Details with you, Oni Ladonet. Members of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists in Douala, KAMASHD, have gathered to demystify the burgeoning role of artificial intelligence in journalism. Looked at journalism when they asked me, I said, but of course, we could go to artificial intelligence, because if you go backward, most of the journalists have been sweating out with their own intelligence, most of them linguistic. But now, with the addition of AI tools, they can easily get material, mountains of material that they will use at the click of a finger. Despite the pervasive influence of AI in various sectors, a significant number of journalists remain unaware of its transformative power in the newsroom. This knowledge gap necessitated an enlightening session to unveil the potential of AI in enhancing the efficiency and depth of modern-day journalism. The educative session has taken place at the Global Language Center in Bonamusadi under the guidance of Dr. Mbayu Nana. It is important for them because most of our journalists in Cameroon don't know that they can build themselves, grow in esteem, grow in confidence due to the simple fact that they are good at using the AI tools. While AI promises a revolution in how news is gathered, retained and consumed, it is not without its pitfalls. Critics point to the potential of job displacement, the erosion of traditional journalistic skills, and the ethical quandaries posed by AI-generated content. To harness the benefits of AI while mitigating its drawbacks, journalists must become adept at working alongside these intelligent systems. No. Yes, in the fact that some people might just not realize that even though AI is there, it's a human input, and you need to bring in your own touch, your own creativity. And in that case, when you don't have anything to offer, then you become another robot, in other words. So a journalist who depends on the AI tool might just as well name that journalist an AI tool. But then, training sessions like this one organized by KAMASHD are crucial in preparing pressmen and women for a future where AI is an integral part of the news ecosystem. Présent dans ce journal, le 32e congrès des gynécologues et obstétriciens se déroule depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundé, thème retenu pour ses travaux. La gynécologie obstétrique en Afrique subsaharienne entre tradition et modernité. Pendant 3 jours donc, les experts qui viennent de plusieurs pays africains vont réfléchir sur les défis à relever dans le domaine de la santé et de la reproduction en Afrique subsaharienne. Et quel est justement l'état des lieux en ce qui concerne la mortalité maternelle au Cameroun? Nous vous proposons de suivre les explications du professeur Émile Mboudou. C'est le président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Cameroun. Il est au micro d'Inès Pangon. La mortalité maternelle a toujours été un problème particulier au Cameroun. Jusqu'aux années de l'ajustement structurel, nous avons eu une baisse de la mortalité maternelle. Et lorsqu'il y a eu l'ajustement structurel, la mortalité maternelle est partie en hausse. Et le Cameroun a atteint des niveaux qu'on n'avait jamais atteints de mortalité maternelle. Mais depuis 5 ans, la mortalité maternelle a été divisée par 2 au Cameroun. Mais nous pensons que chaque mort maternelle est une mort de trop. Et les raisons de la mortalité maternelle ne sont pas seulement des raisons médicales. Chaque fois qu'une femme meurt, on pense que cette mort survient à cause de 4 retards. Nous disons habituellement 4 retards. Le premier retard, c'est le retard au diagnostic du problème que la femme a. Et ce retard au premier diagnostic, ça peut être parce que la femme ne sait même pas qu'elle a un problème. Donc, elle ne va même pas à l'hôpital.
Et même quand elle arrive à l'hôpital, parfois, la personne qui est là n'a pas pu diagnostiquer que la situation est grave. Ça va être le premier retard. Le deuxième retard maintenant, lorsqu'on a diagnostiqué, il faudrait que la patiente se déplace. Et le deuxième retard, c'est que vous êtes à Salapoumbé, vous devez arriver à Bertois. Comment vous faites? Vous devez traverser les rivières, vous devez monter les collines. Alors très souvent, c'est qu'on n'a pas tous les moyens pour permettre l'évacuation du patient dans un centre où il peut être pris en charge. Et vous voyez que c'est un problème structurel. Ce n'est pas un problème lié à la santé, c'est un problème environnemental et qui est peut-être socio-économique. Our local news, we now take on our international stories, and it is with our international partners, the Voice of America. President Joe Biden rolled out his diplomatic red carpet for Prime Minister Fumio Kishida of Japan, calling him a visionary and courageous leader in Asia and beyond. When Russia began its brutal invasion of Ukraine 2 years ago, he did not hesitate to condemn, sanction, and isolate Russia, and provide billions in assistance to Ukraine. The leaders unveiled new initiatives, including a joint lunar mission, investment in semiconductors and clean energy, and research on quantum computing and artificial intelligence. But the strongest focus is on military deterrence, enhancing cooperation not only in the South China Sea, but also in the air. For the first time, Japan and the United States and Australia will create a network system of air, missile, and defense architecture. There will be an upgrade of command and control of American and Japanese soldiers, increasing force interoperability. With ramped-up defense spending and high-tech capacity, Tokyo is a key player in Biden's regional strategic architecture to deter China. Japan is set to begin supporting the AUKUS partnership between the U.S., Australia, and the United Kingdom, said Kishida. For Japan to have a direct cooperation with AUKUS, nothing has been decided at this moment. Going forward with U.S., U.K., or with Australia, with such countries in bilateral or multilateral frameworks, we will continue cooperation. Biden and Kishida will expand their meeting into a trilateral summit Thursday, adding Philippine President Ferdinand Marcos Jr., another U.S. ally. That meeting will focus on freedom of navigation as tensions in the South China Sea ramp up between Beijing and Manila. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said the U.S. move stoked confrontation. No external intervention will affect China's will and determination to safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests. Kishida also came to the defense of Washington's cherry blossom trees, offering to replace the hundreds that must be removed due to construction. The Japanese government gifted the original 3,000 in 1912, delighting Washington tourists each spring. Wednesday evening, the U.S. president hosts a state dinner for Kishida, the fifth foreign leader provided with the honor since Biden took office. Patsy Widakuswara, VOA News. Sur le continent africain, au Niger, frappe de l'armée à la frontière avec le Mali suite au décès de 6 soldats. Au Mali, justement, la junte suspend les activités des partis politiques, tandis qu'au Togo, 6 opposants remis en liberté. On fait le point de tout ceci, dans le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, 6 soldats ont été tués par une bombe dans une zone proche du Mali, a annoncé jeudi l'armée nigérienne, ajoutant avoir ensuite neutralisé au moins une dizaine de terroristes dans des frappes aériennes des deux côtés de la frontière. Au Mali, la junte au pouvoir a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis et des associations à caractère politique. L'ONU a demandé au Mali d'abroger immédiatement cette suspension. Au Togo, 6 opposants incarcérés à Lomé depuis vendredi dernier pour des troubles à l'ordre public ont été remis en liberté mardi soir, ont indiqué mercredi leurs proches. Au Tchad, plus de 3 400 000 personnes ont un besoin urgent d'une réponse humanitaire selon l'ONG Action contre la faim, qui déplore une conséquence de l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et d'un sous-financement. Sport, football, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football senior A
poursuit sa visite des infrastructures sportives nationales. Après Yaoundé, Marc Brice et ses collaborateurs sont arrivés ce matin dans la ville de Douala. Ils se sont rendus au complexe multisport de Japoma et au stade de la réunification de Bépanda. Le point dans l'élément qui va suivre. Après Yaoundé en début de semaine, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, et ses collaborateurs visitent depuis ce jeudi matin 11 avril 2024 les installations sportives basées à Douala. Avant la descente sur le terrain, ils ont marqué un arrêt dans les services du gouverneur du littoral à Bonanjo. Et après cette étape protocolaire, les nouveaux membres du staff technique de l'équipe nationale de football senior A se sont rendus au complexe multisport de Japoma, puis au stade de la réunification de Bépanda. Alors, c'est bien réglé. On doit choisir des choses parce qu'on n'a pas de temps. Comme tu sais, je suis juste entraîneur et à peu près 5-6 semaines plus tard, il y a un et deux matchs très importants. Alors, je n'ai pas de temps pour donner des visites pour boire un café. Je suis ici pour prendre le choix où on va jouer. Et c'est simple. On a vu 5 stades. Tout est noté par mon assistant, il va évaluer ça. On va parler avec notre board. Et c'est pas moi non plus qui. Je donne mon choix, mais c'est pas moi, c'est l'État qui décide où on va jouer, bien sûr, c'est normal. Mais c'était crucial. On voudrait jouer sur un terrain, dans un stade. Qui est vraiment attractif pour le joueur. Il est donc clair qu'à l'issue de ces différentes visites, Marc Brice entend proposer à l'État le stade qui, selon lui, offre les meilleures capacités d'accueil des futurs matchs des Lions Indomptables. We continue talking sports, this time handball. The Cameroon women handball team will not be a part of the 2024 Olympic Games in Paris, as the team has been withdrawn from the qualification tournament in Hungary after missing to get visas. Details in the following report. The Cameroon Handball Federation has confirmed that Cameroon's Handball Lionesses will not compete in the Olympic qualifiers in Debrecen, Hungary. The president of the federation, Abad Umate, released a detailed statement this Wednesday, shedding light on the bureaucratic challenges that led to this outcome. He explained that despite exhaustive efforts by FECAHAN and the state of Cameroon to facilitate the team's participation, they encountered unresponsive behavior from the German consulate, which was responsible for processing their visa applications. The federation sought assistance from the International Handball Federation and the president of the African Handball Confederation, which resulted in an appointment. However, the team was denied entry to the consulate on the grounds of lacking an insurance certificate, a claim disputed by FECAHAN as the documents were readily available. Further intervention from the Cameroon government yielded another appointment. But the time lost in these proceedings made it impossible for the team to reach the competition venue on time. Consequently, the team had to withdraw, allowing Great Britain to take their place. This setback occurred despite the Ministry of Sports and Physical Education's proactive measures, including the validation of the team's participation budget approvals and the letter of recommendation to the consulate. FECAHAN has expressed his gratitude towards the government, the International Handball Federation, and the African Handball Confederation for their support and acknowledges the collective disappointment over the missed opportunity to compete in the qualifiers for the Paris 2024 Olympic Games. Cameroon qualified for the Handball Olympic qualifiers by being the runner-up at the African Women's Qualification Tournament. The final tournament for handball at the Olympics will feature 12 teams. And that report puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, STV. Good night. Good night, Makeda Lidinho-Tom. Au revoir, Christelle Assex-Willey. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.